Ça commence. On est vendredi 5 avril. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Irène. C'est ça. Il me semble que c'est la Sainte-Irène aujourd'hui. Donc voilà. Bonne fête à vous. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais y arriver. Ça commence. Je suis un peu fatiguée. Merci Sophie, fil de la rue, je te fais plein de bisous. Osiris aussi, je te fais plein de bisous, plein de léchouilles, plein de bisous poilus. Moi, je te fais plein de bisous mielleux, comme je te le dis souvent dans les commentaires. Merci à toi de m'avoir présenté dans ta dernière vidéo et merci aux personnes qui se sont abonnées. Je suis contente que ça plaise. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, ce qui est normal. Donc merci à toi Sophie, merci à tous ceux qui regardent, merci comme d'habitude, moi je vous dis merci à tout le monde, à tous et à toutes, parce que tous, il y a tricot,
Tricostérone Thibault, je crois qu'il s'appelle, qui est aussi abonné à ma chaîne. Donc, je te fais des bisous également. Il fait aussi des vidéos sur YouTube aussi que je regarde aussi. Là, il a fait une petite pause, je pense. Enfin, bref. Donc, merci, merci, merci. Du coup, je vais faire une présentation. Du coup, là, bah, vous le voyez. Osiris, c'est mon chat. C'est un Maine Coon, oui. C'est un chat que j'ai eu. Il avait 6 mois et demi. C'était un chat qu'on a eu chez une éleveuse. C'était, bah, personne n'en voulait en fait. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir un Maine Coon. Et mon mari, qui est gentil, très attentionné à mon égard, avec nous. Et il m'a fait un cadeau. Je l'ai eu en 2018. Il a eu 6 ans le 31 mars. Là, le même jour que mon beau-frère, parce que j'ai un beau-frère qui est né le 31 mars. C'est celui à qui on va fêter son anniversaire demain, samedi. C'est 40 ans. Bisous mon lolo. Donc ça va être très très sympa. Donc il est né le 31 mars. Et il s'appelle Osiris parce que l'éleveuse a un fils qui est fan de l'Égypte, qui adore l'Égypte et qui l'a nommé Osiris. Elle m'a dit si je voulais changer ou pas. Moi j'ai dit non parce que ça faisait. Parce qu'il avait 6 mois, il s'était habitué à ce prénom. J'ai dit non, je ne vais pas changer. Puis j'aime bien Osiris. C'est rigolo, l'Égypte, j'aime bien aussi. Donc voilà pour Osiris. Du coup, c'est un chat qui me suit partout où je vais. Je me déplace où je suis. Quand je fais la cuisine, il est sur le plan de travail. Quand je suis dans la salle de bain, il est dans la salle de bain. Quand je suis ici, il est ici. Quand je dors, il est là. Des fois, il va avec mon fils. Mais il a une relation très particulière avec moi. C'est qu'il me suit. Partout, 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 partout. On est pot de colle tous les deux en fait. Et j'adore ce chat. Ouais, je suis fan de ce chat. Bon, après, c'est très particulier des Maine Coons parce que c'est des chats qui ne savent pas rester tout seuls. On les appelle les chiens-chats parce que ils ont un comportement aussi comme les chiens. Moi, quand je pars au travail, il se met à la fenêtre de ma chambre. Il sait parce que il sait où je me gare en fait. On a nos places. Et il me voit. Il miaule, il descend, il va jusqu'en bas des escaliers, enfin, parce qu'on a des escaliers, il y a notre porte, bref, je raconte ma vie de chez moi, vous allez connaître le plan. Et il m'attend, mais vraiment, et il miaule jusqu'à ce que je lui fasse des câlins et tout, mais vraiment, c'est hallucinant. Donc, on ne peut pas laisser tout seul ce chat, c'est. Enfin, moi, ça me dérange pas, il est marrant, il est pot de colle, mais ce qu'il oublie, c'est quand il dort dans notre lit, il se met sur moi et il est très lourd. C'est un chat qui fait 7-8 kilos, mais c'est pas les plus gros parce que l'éleveuse elle me dit qu'aux États-Unis ils font la consanguinité, c'est-à-dire qu'ils font des petits entre père, mère, fils. Ben, c'est un truc ben, pas très bon. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont fragiles au niveau cardiaque, au niveau. Enfin, qu'ils ont des fragilités au niveau de la santé, d'où le fait qu'ils soient plus gros. Qu'ils ont des tri, je sais plus quoi là. Ils ont plusieurs doigts, orteils, je sais pas comment on dit, je sais pas chez les animaux. Et plus ils ont des, plus ils sont gros, plus ils ont plusieurs machins là, plusieurs griffes, on va dire, plusieurs, putain, je sais plus le nom. Et plus ça coûte cher en fait. Et lui, non, il n'est pas issu de consanguinité ou quoi que ce soit. J'ai même son arbre généalogique, mais même moi, je connais pas le mien à 100%. Lui, je l'ai. Elle a fait tous les examens. C'est une éleveuse très sérieuse, très sympathique, qui donne pas les chats non plus comme ça à qui veut ou qui veut pas. Elle a arrêté d'ailleurs parce qu'elle est tombée malade, cette dame. Parce que je lui envoie régulièrement des photos, des vidéos d'Osiris parce qu'elle aime bien, elle aime bien avoir comment? Elle aime bien avoir des. Ouais, ça commence. Elle aime bien avoir des nouvelles du chat. Non, il a fait tomber sa friandise. Il va la manger. Donc voilà pour ce qui est Osiris. Ensuite, moi, donc je m'appelle bien Linda. J'ai 48 ans et demi. Je vais dans ma 49e année cette année en septembre. J'habite en Haute-Savoie. Je suis née ici, côté Sallanches. C'est les voisins qui font du. Je suis née à Sallanches, Haute-Savoie. J'ai récupéré ma belle famille, une partie, pas tous, de Montpellier, ici.
Et puis quoi dire, j'ai deux enfants, j'ai deux garçons, un grand de 24, un petit de 13 et... enfin, un petit, c'est mon dernier, donc un petit de 13 et demi, enfin il va faire 14 ans. Et puis c'est pas mal hein, quand même. Donc voilà, et mais voilà. Donc voilà, petite présentation rapide, et je suis fan de tricot, de crochet, de couture. Ce que je dis souvent, tout ce qu'on fait avec nos mains est un luxe. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, maintenant. Ah oui, puis je rigole aussi parce que quand je refais mes montages vidéo, je me marre parce que je dis tout le temps, mes mots à moi, c'est bref. Donc, fermez la parenthèse. Voilà. Voilà. Donc, je porte sur moi le pull, un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Le pull V. Non, comme d'habitude, hein, moi je dis je vais faire des vidéos, puis je ne présente. Je prépare pas grand-chose, on va dire. Non, c'est pas celui-là. Oh non, c'est Osiris qui se frotte à la porte. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu. Hop, c'est celui-là. Donc mon pull que je porte. Ah oui, et Nathalie de Fraîcheur Mentalo, elle m'a demandé comment j'avais fait ça. Je lui ai dit que faudrait que je fasse une vidéo pour montrer. En fait, parce que moi j'avais fait le pull en top down. C'est un pull en top down. Et du coup, vu que la laine est très fine, ici, bah, c'était le milieu de mon. En fait, c'est le début et la fin de mon rang. Et le problème, c'est que ça faisait une démarcation. On voyait bien que c'était. Ah, c'est celui-là. On voyait bien que c'était en fait c'était trop aéré, donc j'ai fait un I-cord au milieu et elle m'a demandé comment j'avais fait et j'avais dit, je lui avais promis un jour que de lui montrer. Nathalie, si je sais pas si tu passes pas, je te montrerai. Je ferai une vidéo peut-être un jour, mais quand je sais pas en fait. Parce que ça, c'est vrai que ça rend super beau. C'est ce modèle-là. C'est le Simple Summer Tweed Top Down V-neck de Heidi Kiermaier. C'est ça? Kiermaier, que j'avais fait avec les laines Iceyarn. Le blanc, j'en ai. Si, il m'en reste. C'est la celle. La Premium, je sais pas quoi, là, celle-ci. Et la bleue, pareil, c'est celle-ci. C'est celle-ci. La bleue, c'est celle-ci. Je vous l'ai déjà montré sur les autres vidéos. Faut regarder dans les débuts avec ce coloris-là. Ça y est. Ah, ah si, c'est bon. C'est celle-ci. Et la blanche, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est celle-là. Mais j'ai plus d'étiquette. Hein. Si, je les aime, mais j'ai pas envie de chercher. Voilà, avec ces deux-là, des laines très, très, très douces, agréables à porter. Franchement, depuis, ça fait longtemps que je l'avais fait celui-là. Il n'a pas bougé. Donc voilà pour ce que j'ai. Et je l'ai fait moi en manche courte. Et ben là c'est le top. Il fait un peu doux enfin. Mais on a eu de la neige. On a eu du froid. Oh, moi j'aime pas. En plus c'est pas compatible avec moi le froid. C'est pas bon pour moi. Enfin bref, voilà pour ce que je porte. Ouais, c'est tout. Je regarde mes chaussettes. Ensuite, oh purée, j'ai fait une castagnette aiguë là. Bon, je crois que j'ai 5 projets. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5 projets. Alors, on va commencer par celui-là. Je vous ai dit que je voulais faire un gilet pour ma mère sans manches, parce qu'elle est fan de gilets sans manches. Je vous mettrai là la photo. Je crois que je vous l'ai montré la dernière vidéo. Et du coup, j'ai posé la question. Alors, donc, du coup, le pull, il s'appelle All Day Every Day de Nadia Crétin-Léchaine. C'est quoi ça? Non, là il y a le nom. Il n'y a pas les explications. Non, c'est juste les mesures, tout ça. Là, c'est le All Day Every Day de Nadia. Donc, du coup, vu que c'est un modèle qu'elle a fait, j'ai envoyé un message sur Ravelry. Je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je le fasse sans manche. Elle m'a dit que c'était une super bonne idée, que ça ne la dérangeait pas du tout et qu'elle avait hâte à voir ce que ça allait donner. Du coup, je suis partie avec cette laine. Vous savez, j'en ai énormément. Vous savez, à Sierne, ils ont des laines par lot. Ils vendent que par lot. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une
J'ai acheté des lots chez Asian. Avant, je voulais. Vu que je. Ça, mais ça date, hein. Il y a plus de. J'ai Célène depuis 20 ans. Oh, mon Dieu, quelle horreur. C'est pas possible. Ah ouais, quand même. Non, on va dire 15 ans. Ça fait un peu. 20 ans, 15 ans. Et avant d'acheter de la laine de teinturière, je voulais bien m'entraîner et j'ai acheté beaucoup de laine Asian parce que le prix n'est pas du tout excessif par pelote. C'est juste au niveau des frais de port parce que ça vient de Turquie. Je vous remettrai aussi le lien si ça intéresse, si ça vous intéresse. Franchement, j'ai jamais été déçue de cette laine. Jamais. C'est pas de la laine à 100% mérino. Il y a beaucoup d'acrylique. Ça, c'est vrai. Mais pour apprendre à tricoter, franchement, moi j'ai commencé par Asian, par Bergère de France aussi, Fildao, comme toutes, mais j'ai beaucoup Asian parce que au niveau, c'était des très bons rapports qui ont été pris. Vous voyez, ce pull, je l'ai fait il y a longtemps, il n'a pas du tout bougé et il peluche pas beaucoup, mais vraiment pas du tout. Et non, j'en suis quand même contente. Je ne dis pas d'aller acheter tout le temps, mais pour apprendre à tricoter en début, franchement, c'est le top du top. Donc du coup, j'ai commencé à faire le gilet sans manches. J'en suis qu'au début. Il y a les rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, j'ai fini. Donc du coup, bah, merde, faut pas que je perde les mailles parce que je vais mettre une autre fleur. Attendez, bougez pas. Bah, bougez pas, genre, vous allez bouger. Bah si, vous pouvez bouger, mais je vais juste mettre un petit... Hop, mais celui-là, le petit mouton blanc. Hop, voilà. Alors ça donne ça. Mais je vous mettrai le modèle. Je pense que vous l'avez déjà eu. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Ça doit être un truc comme ça. Enfin bref, il est joli, il me plaît. J'ai fait l'échantillon qui est, je sais pas où, c'est tombé pile poil. Du coup, vu que j'en ai beaucoup de cette laine, et eh ben ça m'arrange de faire le gilet. Je lui ai pas dit à ma maman, ça serait une surprise. Elle sait que je lui fais des trucs, mais elle sait pas ce que je lui prépare. Donc voilà, ça c'est les stoppeurs de mailles que j'ai achetés chez Temu. J'avais pris ça chez Temu. Je sais plus combien je les ai achetés, ceux-là. Je crois que j'en avais 5 pour 2 euros. Un truc comme ça, quoi. Hop. Hop, ils sont jolis, j'en ai plein. Enfin bref, donc je suis contente. Le gilet All Day, non Everyday, All Day Everyday. Je l'ai commencé le 24 mars. Le patron, il est au prix de, je sais plus, c'est dingue, hein. Je sais pas. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir ces jours, pas demain, parce que demain c'est l'anniversaire de mon beau-frère, on est tous en montagne là-haut. Donc je vais pas tricoter du tout dimanche, je sais pas si je suis fatiguée ou quoi, je sais pas comment ça va se passer. Parce qu'on dort sur place et on rentre dimanche. On passe une petite nuit. Tout ça pour dire que je vais pas tricoter ce week-end, dimanche soir, lundi peut-être, mardi pas trop. Bon enfin bref, vous le verrez. Et puis c'est tout. On va pas passer 3 heures quand même. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez voir. Bah non, c'est très franchement c'est très facile à faire. Pour l'instant, c'est très. Enfin, je pense pas qu'il y ait de la difficulté. Devant, je pense qu'il y a des torsades. C'est des torsades? Je sais même pas regarder. C'est des torsades ou des motifs. Je sais pas. Je regarderai, puis vous verrez ça prochainement. Mais ça va très vite. Là, c'est zéro cerveau pour l'instant. Donc là, pour l'instant, j'ai même pas utilisé encore 100 grammes. Le rendu, il est beau quand même. Moi, j'aime bien. C'est un peu plus sombre. Voilà, c'est comme ça, la couleur, elle est là. C'est un bordeaux. Voilà, c'est très joli. Ça, c'est fait. Ensuite, le pull Sichia Purée, j'ai un peu avancé. Bon, j'ai pas atteint mon objectif que je voulais. Viens là, mon petit, viens. Alors, par contre, ça s'en mêle, ça. J'avais oublié. Les pelotes, faut vraiment tirer très doucement. Mais ça s'en mêle, ça fait des nœuds. Regardez. C'est un truc de fou, c'est terrible. Alors ce que je vais faire la prochaine fois, je vais les mettre dans mon porte-pelote, les trois. J'ai ça là. Viens ici, toi.
Allez hop. Il s'est barré le chat. Oh ouais, tiens, il est parti. Il est peut-être au salon avec mon mari. Je mette les trois et de tirer parce que, purée, mais ça se barre. Ça se barre, ça fait des nœuds, c'est chiant. Donc à chaque fois, je tire tout doucement. Mais je suis content, j'ai bien avancé. Regardez ça. Là, j'en... Attendez, la couleur. En fait, j'ai le reflet de la lumière sur mon ordi. Là. Alors ça, c'est le... Ça, c'est les milieux, en fait. En fait, le truc, il va se faire comme ça. Alors la laine, elle est... Les trois ensemble, c'est très doux, c'est très fin. C'est super agréable à tricoter. J'ai choisi cette couleur parce que je voulais finir mes restes. C'est beau, hein? Vous voyez, j'en étais là. J'ai encore mon champignon. C'est pour dire, en fait, que je me suis rendu compte que je suis enfin, en retard de quoi, en fait. Personne m'attend, personne s'en fiche, c'est pour moi. Je l'ai commencé, ce pull, le 25 octobre. C'est pour ça qu'il y a les champignons partout. Et les piments. Ça, c'est les petits Super Mario, les raisins. Tout est de automnal. Ça se trouve, je vais finir en automne, ce pull. Par contre, il faut vite que je le termine avant qu'il fasse très chaud. C'est beau, hein? Il y a des poils de partout. Hop. Donc voilà. Et sur les côtés, bah, c'est des côtes perlées, ils appellent ça, je crois. Vous voyez? Ça, c'est sur les côtés. Oh, c'est beau! En plus, avec le blanc, le petit fil blanc, c'est de l'acrylique, je pense, le petit fil blanc. T'es là, toi? Viens voir. Mérino super fine coton. 30 grammes, 300 mètres. Après, ils mettent plus ou moins 5%. Je dis ça, bah, ça me fait rire parce que j'ai regardé Miss Manu au naturel. Elle a pesé des pelotes, des laines. Oh, putain, mais il y a. Pardon, j'ai des gros mots. Il y a des. Comment? Les laines, elles font même pas 100 grammes, quoi. J'ai jamais pesé, il faudrait que je pèse. Donc, il y a 66% de mérino, de laine mérino extra fine et 16% de coton. Et 18% c'est polyamide, je pense que c'est le truc blanc qu'on voit. C'est un fil qui maintient le mérino. C'est très doux, c'est très fin. Il faut faire. En fait, quand je tire dessus très doucement pour éviter de faire des nœuds, sinon ça fait des nœuds et alors pour y enlever, c'est impossible. Donc ça, c'est concentration totale. Ça, je fais ça en journée. Je fais pas ça le soir. Je ne fais sur ma table de cuisine. Je pose mon diagramme. Et ça, vous voyez ça? Ça, c'est génial. On coche à chaque fois qu'on finit, en fait. Vous voyez, il me reste ça avant de faire les émanchures. Rabattre les mailles au-dessous des émanchures. Ça, je peux vous le montrer. C'est juste un check-tail. Check-tail, ils appellent ça. Checklist, pardon. Check-tail. Donc voilà. Alors, ça, ouais, ça, c'est génial. Mais j'aime bien tricoter. Franchement, ça, c'est top. C'est top. C'est top. C'est bien. Je suis contente parce que je vais finir mon stock. Parce qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 pelotes. Voilà. J'ai largement de quoi faire. Il reste encore des fils rouges, des bandanas, disons. Donc voilà. Donc ça, bah, comme d'habitude, c'est Cassie tricote. Ça, je les avais achetés chez Etsy dans un, c'était en Angleterre avec ceux-là, mes préférés, Super Mario Bros. Un petit clin d'œil pour mon filleul, il est fan de Mario Bros, mon filleul. Donc voilà, que vous avez dû voir, mais j'ai pas montré, mais en début de vidéo, vous avez dû voir, il y a des enfants, c'est mes neveux et nièces. Mes nièces et mon neveu, mon filleul d'ailleurs, à Pâques. C'était rigolo. Ils nous ont fait rire, ces petits. Ils nous font trop rire. Bref, donc tout ça pour dire que Super Mario Bros. Je pense toujours à mon neveu. Donc en fait, tac. Vous voyez, il me reste ça là. C'est parfait. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais le mettre du coup. Donc ça, c'est fait. Et de deux. Je vais créer la ligne. Castonite aiguë anonyme, bonjour, oui bonjour, je m'appelle Linda. Bon, j'en ai que 5, c'est pas énorme. Ensuite, le gilet ouest de. Le gilet ouest, le Woofy Waffle Cardigan de Stéphane Ouest. J'ai toujours plaisir à le faire.
c'est-à-dire celui-là. Voilà, il est super agréable à faire. Là, c'est zéro cerveau en fait. Que je tricote en double de laine des teintures lurées de Audrey. Attendez, je vais monter mes. Aïe! Ouïouïouï! Mon anneau marqueur du Seychelles. On va le remonter. Alors attendez, on va mettre ici, comme ça, hop. Et hop, on remonte. Comme ça, vous verrez la prochaine fois où j'en suis. Je pense la prochaine fois, j'espère que j'aurai commencé les demi-devants et tout ça. Alors, ça s'en mêle, ça s'en mêle. J'ai toujours plaisir à le faire. C'est super facile. Ben là, c'est zéro cerveau, hein, je vous avais expliqué. Là, vous allez juste voir le. J'en étais où? L'avancée. Eh ben voilà, c'est là. Là. Qu'est-ce que j'adore cette couleur. Vous voyez, il reste. J'ai fait tout ça. C'est pas mal, hein. D'ailleurs, j'ai changé maintenant l'anneau. En fait, ça, c'est tout droit. Je vais pas plus vous en dire, à part que j'ai toujours plaisir à le tricoter. C'est agréable. Comme dit mon mari, je le porterai cet été pendant les grosses chaleurs. Il est super beau. Moi, je trouve qu'il me va bien, en fait, la couleur. Je sais pas si Audrey. Je crois pas qu'elle a regardé la couleur. Bon, là, j'ai pas de blanc. La dernière fois que je l'ai porté, j'avais du blanc. Ouais, ça. Ça descend pas mal. Hein. Quoi? Viens! Vous voyez? Ah, la dernière fois, j'en étais là quand même, hein, à peu près. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce qu'il me parle, le chat. Faut que je décrive son langage. Oh là 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 là. Bon, c'est large. Hein. Attends, oh purée. Hey, pap, pap, pap. Quand je vous disais qu'il fallait bien mettre des nœuds, regardez, ça se barre. J'ai toujours mes anneaux marqueurs de séparation, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux, Osiris? Osiris? Mon café, il va être froid. Oui, je suis une fan inconditionnelle du café. C'est pas bon pour moi, mais j'adore le café. On s'en fiche. Ah ouais, j'adore le café. Moi, j'en bois trop. Non, Ziris, tu ne joues pas avec mes trucs, s'il te plaît. Donc, voilà pour ce qui est du. Ah ouais, mais lui, il adore mes stoppeurs de mailles. Il adore ça. Hein, mon chacha? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi, mon chacha? Il est mon chacha. Ah, il est allé boire, t'es tout mouillé. Il est tout mouillé. Donc voilà, je suis contente. Mais j'ai hâte à le finir quand même. J'espère que la prochaine fois que vous le verrez, j'aurai quand même bien plus avancé quand même. Je ne sais même pas combien de centimètres je dois faire là. Avant les côtes. Je n'ai même pas regardé. Vous avez 2 minutes? Ouais, pas de souci. Je vais vous dire ça. À moins que vous en fichiez. Alors, tac, 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 c'est où? Je me poussais. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. J'en suis là. Là. Il faut que je fasse. En fait, il faut faire 5 cm plus ou moins de ce que vous voulez pour finir. En fait, il faut que mon mari l'essaye à chaque fois. Le cadrage est pas. Osiris? Non, mais non! Osiris? Putain. C'est bon? Non, mais il pousse mes trucs pour rentrer à l'intérieur des. J'ai des casiers, en fait, il veut rentrer à l'intérieur. Bref, vous avez vu mon mot? Bref. Donc, je disais qu'il fallait arriver à la hauteur. En fait, c'est nous qui choisissons la hauteur, la longueur, pardon, du corps. Donc, tant que j'ai pas atteint, c'est 5 cm plus ou moins. 5 cm, il faut que j'arrête 5 cm avant la fin. Bah, faut que je me mesure. Mais bon, j'en suis encore un peu loin quand même. J'en suis un peu loin quand même. Oh, quoique, quoique, quoique. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va bien avancer. Je suis très, 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 très contente. Je vous avais tellement gonflé avec le Ellie Cardigan qui s'est transformé en Willy Waffle. Non, Willy Waffle Cardigan. Ça reste du cardigan. Non, Osiris, écoute, tu as de quoi gratter tes griffes. Alors, non, mais tu fais pas sur mon truc.
Donc, et de trois. Castonite aiguë, bonjour. Et celui-là, je l'ai commencé le 9 février. Purée, non, mais j'avance pas en fait. Après, il y a le manque de temps, la fatigue, enfin, il y a plein de choses qui fait que j'avance. Après, c'est mon rythme. Moi, j'aime bien tricoter. C'est du plaisir, le tricot. Je suis pas pressée non plus, quoi. Ensuite, alors, ah oui! Je vous ai parlé de ma belle-sœur, j'ai dit qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Ah oui, j'avais fait des papiers. Parce que je ne savais pas quoi faire comme châle. Ah, attendez! Stop! Famille! Stop! Vous arrêtez de regarder, s'il vous plaît. Ouais, je parle à ma famille, je veux pas qu'ils regardent. Léa, tu peux regarder. C'est ma nièce, Léa. Elle adore regarder mes vidéos. À chaque fois, elle m'envoie des messages. T'as refait une vidéo, tata! Bref, famille, vous arrêtez de regarder. Léa, tu as le droit parce que ça ne te concerne pas. Donc voilà, j'ai sorti des papiers, j'ai mis les châles, le Venezia Shawl, le Sophie Shawl, le châle de Long avec Anna que Emma de Tricolibri en avait parlé, et le Iris Shawl. J'ai tiré, je suis tombée sur le Sophie Shawl. Attendez, je vais voir mon mari, je lui dis tiens, tire un papier. Et je vous le donne en mille sur quoi il est tombé? Sophie Shawl. Donc il fallait faire le Sophie Shawl. Donc du coup ben je l'ai pris. Je l'ai pris. Donc j'ai le Sophie Scarf et le Sophie Shawl. C'est où? Il est là. Donc j'ai les deux du coup patron. Bah quand même. Oui c'est ça. Oui. Donc j'ai le Sophie Shawl. J'ai le Sophie Scarf. La collection des Sophies. Bref, du coup, c'est tombé là-dessus. J'ai dit stop, on arrête. On va faire ça. Et du coup, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais je vais prendre quoi comme laine? J'ai bobiné, comme vous avez vu en début de vidéo. J'ai bobiné la laine de Wool Bags qui est là-bas. Et puis en plus, je réfléchis. J'ai dit, mais non, ça va pas. J'ai dit, mais non, ça va pas. Ça va pas avec la... ça va pas. J'ai pas assez de laine. Putain, j'ai dit merde, fais chier, il va falloir que j'achète et la laine, le patron, tout ça. J'ai dit, mais non, fais chier et tout. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, mais t'as de la laine, toi. C'est celle-ci, là, la Norsk de. Vous savez, le colis surprise que j'ai reçu. Du coup, vu que je vais pas l'utiliser, cette laine, pour faire mon knit for days, vous savez, le pull tout en brioche. Je vais pas utiliser cette laine. Je crois que je vais choisir. Il faut que je regarde quelle laine elle a utilisée. Et je vais faire pareil en fait. Parce que je vais réussir vraiment la brioche. Je l'ai parfait. Du coup, bah, Sophie Sar. Sophie. Pff, Scarf. Non, Sophie Shawl. Avec cette laine. De Ice Yarn. Alpaga. Laine Alpaga. Et polyamide. Bah, je sais, c'est du plastique et tout. Mais bon. 100 grammes de 120 mètres. En fait, je me suis trompée. La dernière fois, je vous avais dit que je pouvais faire des pulls. Non. Y a pas le. J'ai pas cette quantité. Il y a 220 mètres. Et j'en ai eu 4. Donc 4 fois 2. 1200 mètres. Ah si, j'avais assez pour faire un pull. Je dis des conneries, moi, en fait. Je sais même pas. 2 fois. Non, 2 fois 4. Non, 2 fois 4, 8, ça fait 800 mètres. Donc il n'y a pas assez pour. Si, il y a de quoi faire un pull. Mais taille. Pour moi, c'est taille S. En plus, ça dépend du modèle. Manche 3 quarts. Et encore. Bref, pour faire un pull, je pense que non, je me serais bien cassé la tête. Donc j'ai dit Sophie Scholl. Et ça, c'est une couleur qui peut lui plaire. Et j'ai commencé. Ah oui, j'ai bien avancé, hein. Finalement, j'ai tricoté un peu. Mais ça fait combien de temps que je suis parvenue la dernière fois? C'était quand? Mi-mars? 15 mars? 6? Ouais, ça fait 15 jours quand même, presque 15 jours. Donc voilà, bon bah dans, alors du coup, bah, j'ai dit j'arrête, je fais ça. Avec mon anneau marqueur que j'ai fait moi, j'avais acheté des petits. J'ai plein de boîtes comme ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mon mari m'a filé des boîtes. Où à l'intérieur, il y a des petits trucs comme ça là. Vous voyez, il y a doré. Il y a vert un peu Noël ou rouge ou ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez. On va attendre que ça fasse la mise au point. Tac. Vous voyez, il y a des trucs de Noël, il y a des pommes, il y a des avocats.
Il y a des arbres de Noël, là. Il y a plein de trucs de couleurs. Ça, c'est vert, rouge et blanc. Après, il y a ça. J'avais acheté ça chez où? J'avais acheté ça Amazon, je crois. Amazon ou Temu ou AliExpress, j'en sais rien. Ils vendaient par lot. Voilà, en argenté. Et rose. Rose. Qu'est-ce qu'il y a ma main devant? Voilà. Donc mon mari m'a donné les boîtes, je les ai tous séparées. J'ai acheté des petits anneaux, je les ai fermés. Mais moi, en fait, il me faut. Voilà, et j'ai fait mon anneau marqueur, mais ça date, hein. Donc, en fait, le petit chat, c'est le numéro 1. Le moyen chat, c'est le 5. Et le grand, c'est le 10. Je sais que là, j'arrive au 10. Et ça, bon, bah, ça, c'est mes. Nombre de fois de répétition, combien de fois je répète, bref. Voilà. Et ça donne tout ça. Alors, la laine, elle est. Bah, c'est du poids mousse, ça va s'agrandir. J'ai décidé de le faire hyper grand, c'est-à-dire que une pelote, deux pelotes. Donc, en fait, j'ai utilisé 200 grammes. J'ai utilisé 420 mètres. Bah, ça fait un 2 chevaux. Bah oui, ça fait un 2 chevaux, Linda. Je vais voir, mais là, il est pas mal, hein. Donc, je pense qu'elle va être contente quand elle va le recevoir. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, ça va être une Sophie Scholl. Un grand, je vais faire la grande taille. Je vais lui faire ça, puis ici, l'hiver, purée, ça c'est plus comme avant. Hein. On a moins de neige. Je crois qu'on a eu 2 fois de la neige. Ça me gratte toujours à cet œil-là. Enfin, on s'en fiche. Donc, voilà pour ma belle-sœur. C'est pas mal quand même, hein. C'est joli, c'est doux. Purée, hé, vous allez rire. Enfin, je sais pas, mais je suis tordue là. Vous allez rire. 33 minutes. Vous allez rire parce que je l'ai tricoté, j'ai encore perdu une maille. J'ai dû redéfaire et recommencer. Je l'ai perdu. Je crois que ça se voit un peu. Attendez, attendez. Je crois que c'est ici. Là, par là, j'ai dû tout redéfaire, recommencer, parce que j'avais perdu la maille. Oh, ça se voit pas du tout. Non, mais je perds des mailles, moi. Quand je suis fatiguée, il faut que j'arrête, en fait. Donc voilà pour le Sophie Scholl. Je suis contente. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Castonite aiguë, bonjour! Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait pas, qui a 3 maximum de projets, mais pas 5. J'en ai 5. Ensuite, je vous ai parlé d'un châle que je voulais me faire moi-même avec les écheveaux d'Ève que j'avais acheté au Knitit l'année dernière, que j'ai eu pour mon anniversaire. Et j'espère que cette année, on va pouvoir y aller encore avec ma belle-mère et puis ma nièce et puis la soeur de ma belle-mère. Hibiscus, c'est le vert. Et coloris nuts. Parce que je cherchais de la déca en fait. C'était parti pour un projet. J'ai un cheveu ou un poil de laine ou de poil d'osiris. Il s'est barré encore. D'osiris. Du coup, qu'est-ce que je disais? Vous le savez, vous suivez, vous. Moi je suis pas trop, je suis indisciplinée. Oui, j'espère retourner au Knitit parce que j'ai dit que je voulais ça pour mon anniversaire. Donc voilà. Hop. Non, je vous ai déjà montré. Donc du coup, je suis partie. Et là, je regarde le podcast de Loli Pelote. Bisous, Julie. Si tu passes par là. Si tu passes pas, bah, t'auras pas de bisous. Je te fais plein de bisous. Donc je regarde son podcast et tout. Et elle parle du châle, du cal. Faire un cal. The Doodler. Il est où mon. Ça doit être là-dedans. Je pense que j'ai mis tous mes patrons là-dedans. Est-ce qu'il est là, The Doodler? Non, ça c'est le plus Seychelles. Non, j'ai mis le plus Seychelles dedans. Non, c'est le noir. Non, mais sérieux, je l'ai mis où le patron? Bah tiens, il est parti lui. Je vais me servir la chaise. Hop. On est juste 2 minutes, mes petits lapins. Ah, c'est là. Bon, enfin. Je sais que j'ai rangé. Ma pièce, c'était une pagaille quand j'ai fait
Bah merde. Purée, c'est dans le salon? Non, ça c'est les Seychelles. Mais faut que je retrouve le patron, moi. Comment je vais faire pour le faire? Mais enfin. Je l'avais commencé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est là? Non. Ça aussi, vous. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, nul. Bon, bref, je fais le châle The Doddler de Stephen West. J'avais jamais fait ces châles. Et il fallait trois échoues. Je lui dis, bah, c'est parfait. Mais je crois que je vais utiliser aussi des. Alors attendez, je vais ranger ma pagaille là. Viens voir. Alors, je vais ranger. Mettre mes encours là. Le Pulsichel, tu vas te ranger. Alors lui c'est le plus fragile, le Pulsichel là. Ouh là là, s'il s'en mêle avec les autres, je suis dans la mouise. Non, c'est bon. Ah tiens, t'es revenu toi. Je sais pas ce que tu trafiques depuis tout à l'heure. Osiris? Il s'en fout. Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi, je m'arrête là. Le. Hop, Sophie Scarf. Hop. Ça va là. Hop. Et voilà, ça y est, j'y suis. The Doddler. Voilà ce que ça donne. J'en suis. Je sais plus où. J'ai commencé. On a commencé le 1er avril. C'est un cal. Donc, oh oui, voilà. AF commence à manger des poils. Réfléchis, réfléchis. Non, attendez. Hop. Hop. Ah, voilà. Je peux voir mieux. J'ai commencé. On a commencé le 1er avril. Un cal lancé par. Julie, pardon, de Lollipelote. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Je pense qu'on peut toujours participer. Je sais pas combien on est. J'ai pas regardé. Mais c'est rigolo, c'est sympa et c'est super beau parce qu'on voit toutes les filles faire ce châle avec des coloris différents. Oh là là, il y en a des. Oh là là, ils sont beaux. Mais ils sont beaux. Ils sont trop trop beaux. Et du coup, voilà ce que ça donne. Effectivement, un aile de papillon, c'est trop beau. Et je suis contente d'utiliser mes écheveaux pour ça. Et je pense qu'à la fin, je vais alterner cela. Attendez, je me lève. Mais je crois que je vais chercher le patron, il doit être dans le salon. Alors, je vais voir. Mais je pense qu'à la fin, je vais. Je pense que ça irait bien. Attendez, hop, dans l'autre sens, ça serait mieux. Je pense utiliser à la fin ça, alterner un coup ça, je vais voir. Ou avec les autres, ça va faire comme un. Utiliser le bleu, le vert, il en manque. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il est où? Il en manque. Non, c'est pas toi. Bon, bref, je foutais. Ou l'orange aussi, ça peut être sympa aussi, un orange. Ça peut être sympa. En fait, je voulais utiliser cela, parce que je voulais faire un pull, mais non, dans l'autre sens, Linda. Hop. Vous voyez? Ça peut être sympa. Celui-là, il y a du Stellina. Ben, les trois. Je n'avais même pas vu. Ah, les trois. Il y a du Stellina. Vous voyez? Si je prends les pelotes comme ça. Peut-être utiliser. Je sais pas, je vais voir. Mais sur la fin, faut que je trouve le modèle. Vous pouvez ne pas bouger. Je reviens, je vais au salon. J'ai pas envie de couper pour faire le montage vidéo. Non, je reviens. Je vais chercher le modèle. Je suis partie pour rien parce que le patron, je le trouve pas. Il doit être sous la machine à tous les coups. Oh, mais c'est nul en fait. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. Il n'est pas là. Mais il faut vraiment que je le retrouve.
Je vous tourne le dos. Ah, c'est très poli. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que je l'ai rangé là? Est-ce que tu l'as rangé là, ma petite Linda? Non. Non, mais c'est sérieux, quoi. À moins que c'est sous la machine. Je vais regarder. Ça se trouve, c'est là. Oh. Quelle pagaille! Alors ça et ça va là. Déjà, on va commencer par le début. Ça. Ouais, moi je suis très papier, c'est ça qui c'est embêtant, c'est pas bien, mais. Pourquoi t'es collé à ma machine, toi? C'est une blague? Mais enfin, lâche ma feuille! C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Mais c'est une blague. Ah mais je vais devenir folle, j'ai perdu le patron. On va pas passer 3 heures, Linda. Tu montes quelque chose là? Non, attends, il est avec les chats, je l'ai rangé. Je sais que je l'ai rangé. Est-ce que je l'ai imprimé? Oui, je l'ai imprimé. Oh putain, il est là. Non, mais hey, je l'ai trouvé. Non, mais c'est une blague. Il était bien dans mon classeur. Voilà. Donc, vous voyez, cette partie-là, moi, ça va être le vert. Mais attendez, c'est pas possible, ça. Voilà, ça va être le vert. Les parties entre, ça va être le blanc, évidemment. Et je pensais faire ça. Alterner avec des fluos pour bien trancher. C'était soit ça, soit je refais le blanc ici et les bordures avec ce vert-là. Je sais pas encore, j'ai le temps d'y penser. Donc voilà le dos de l'heure. Alors moi j'aime bien les patrons en. J'ai une préférence pour les patrons en anglais. Français ça me dérange pas non plus, mais. J'ai imprimé les deux, j'ai fait français-anglais, mais français, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je préfère en anglais. Quand là, ouais, je sais pas, c'est comme ça. Quand c'est traduit, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait une erreur ou qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, du coup, je participe au cal The Doodler avec Loli Pelote, Julie. Et c'est juste magnifique. C'est très très beau. Elle a mis. On est sur Discord. Si jamais ça vous intéresse, je sais pas si vous voulez le faire ou voilà. Et c'est vrai que ça ressemble à une aile de papillon, c'est magnifique. J'aime bien le rendu, c'est agréable. Les laines d'Ève, c'est hyper agréable à tricoter. Le chat, il a fait carpette là en bas. Il a fait carpette. Je sais pas si vous le voyez dans ma paille. Ah non, vous le voyez pas. Il a fait carpette. Le pauvre, il est fatigué. Oh, le pauvre chacha. Bon, bref, c'est tout ça pour dire que mon cinquième, il est combien? 44 minutes. Ouh là là. Tout ça pour dire, parce que j'ai plein de choses à faire. Il faut que je me repose. Il faut. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, parce que demain, on va. Enfin, bref, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, voilà, le châle, mon châle, il est parti, 1er avril. Donc, c'est pour ça, j'ai 5 ans en cours. Le pull Sichel, le gilet. Woofy Waffle Cardigan de Stephen West, le Sophie Scholl et le gilet Everyday, All Day Everyday pour ma maman, et The Doodler Shawl. Voilà, je n'ai pas commencé de chaussettes, je pense que je ne vais pas commencer de chaussettes, parce que la prochaine étape, c'est de retirer encore un papier pour savoir à quel est le prochain. À moins je le tire là maintenant avec vous. Vous voulez que je tire un papier pour savoir à qui. S'il vous plaît, la famille, regardez plus. Où sont mes petits trucs? Alors, attendez. Je vais mettre ça ici. Eh ben, on va tirer. Si ça vous dit ça, je sais plus ce que c'est là-dedans. Voilà. La boîte. Alors, s'il y en a beaucoup. Alors, ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est les thèmes. Après, il y a des choses que je. Ça, c'est les personnes.
Je sais même plus qui c'est qu'il y a dedans. Il faut que je refasse parce que je suis sûre d'avoir oublié. Alors, le prochain cadeau. Non, mais j'ai 5 ans en cours et je regarde maintenant ou pas? Tu veux quoi? Non, mais c'est ma boîte, c'est pas des friandises, mon chat. Hein. Ah, bah, c'est mon mari, j'ai déjà fait. Alors, je vais retirer parce que c'est le nom de mon mari. Enfin, c'est son surnom. Donc, non. Parce qu'il a, je lui ai fait sa chaussette, je lui ai fait son gilet. C'est pas pour maintenant. On va retirer un autre. Merde, j'ai fait tomber un papier. Bah, on va prendre celui-là. N'importe celui qui s'est barré. Tu veux. Bah, tes friandises, elles arrivent la semaine prochaine, mon chat. Il t'en reste deux. Et oui, j'ai oublié. Je vais faire une parenthèse et du bref. En fait, le chat, il a. J'ai zappé de commander ses croquettes, ses friandises. Donc là, je lui donne une par une et puis ça l'agace, je pense. Yes! Mon beau-frère, Mitri. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire avec lui. Je vais tirer quand même pour voir si ça tombe sur ça. Mais je sais quoi faire pour lui. Ça peut être rigolo. Eh ben non, ce ne sera pas des mitaines. Donc mon beau-frère, je sais quoi lui faire. C'est des chaussettes. Les chaussettes avec les laines biscottes. Donc le prochain, c'est Mitri. Donc attends, mais Osiris, ça, c'est pas des. Alors, les deux là, je les enlève. Hop, et hop. Je vais les mettre là. Voilà. Alors, mon beau-frère, je vais lui faire les chaussettes de laine biscotte. Je mettrai un truc là. C'est les coloris, c'est orange. Alors, il y a deux choix. Soit je lui fais les laines de. Les chaussettes Pac-Man. Parce qu'il est fan des années 80 comme nous, comme moi. Soit je lui fais une chaussette, en fait, parce qu'ils sont de Montpellier. Et eux, ils aiment bien aussi le foot. Aux couleurs de Montpellier, il y a les laines biscottes qui a des coloris orange. Je vous mettrai là une photo. Et lui faire une paire de chaussettes comme ça et le faire à mes trois neveux aussi, à ses trois enfants. Donc voilà. Donc le prochain, c'est une paire de chaussettes pour mon beau-frère. C'est pour ça que je ne tire pas le. Je tirais mitaine, vous voyez, il va pas mettre des mitaines. Quoique pour courir, il fait beaucoup de sport lui. Non. Ça sera une paire de chaussettes pour lui. Donc ça sera le prochain. Ensuite, j'ai fait ça avec ma machine, la Centro, là, vous savez. Elle est là-bas. J'ai fait un bandeau. Va éteindre les mails. Hop. Hop. Alors là, faut que je reprenne parce que ça se tord. Hop. Et voilà. J'ai pris. Non, Osiris, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Tu passes pas. T'es trop gros. Tu comprends? Oui. Non. Où tu veux être? Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, il y a 49 minutes là que je blablote. Non, tu passes pas là. Tu le sais, ça t'as pas d'espace. Donc, j'ai fait un bandeau avec la Centro que je vais vous montrer. Qui est là? Vous savez, c'est cette machine que j'ai pris sur Amazon. 24 aiguilles. Ouais, je crois. Comme ça, si jamais j'aurais fini les cadeaux, faut que je me dépêche, et ben je pourrais faire des bandeaux pour les filles. Arrête. Ça y est. Tu veux pas dormir, s'il te plaît, faire la sieste comme tout le monde. Donc avec la Centro, j'ai fait les bandeaux. Il y a une vidéo, si j'arrive à la retrouver, si j'arrive à la retrouver, je suis pas sûre à 100%, une nana qui explique très bien comment faire les bandeaux avec cette machine, et j'ai dit, mais purée, mais ça c'est une bonne idée, et je trouve ça très sympa. Si un jour je peux me remettre à faire, à courir, eh ben j'aurai un bandeau. Quoique maintenant les bandeaux, c'est terminé. Il fait quand même chaud. Enfin, j'espère qu'il va faire chaud. Moi, j'en ai besoin de la chaleur. Donc, voili-voilou. J'ai fait mon bandeau. C'est très facile à faire. Hop. Ensuite, j'ai acheté un bouquin parce que vu que j'ai des papiers partout, j'avais des cahiers, mais ça n'est pas. J'en ai marre d'avoir tout un bordel. J'ai pris le carnet de tricot sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 6 balles.
Je crois, ouais. 6 balles, c'est pour noter tous mes trucs. Parce que j'avais 3-4 cahiers. J'en avais deux partout, ça me saoule. Ça m'a gonflé. Et j'ai dit, mais je vais me prendre un cahier. Et je l'aime bien parce qu'il est grand. C'est A4. C'est A4. Moins de A4, non? C'est pas marqué. Bon, vous voyez, vous me voyez. Vous voyez qu'il est grand. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'il a, il est là, regardez. Et oh, chut. Je suis vite perturbée, moi. Et je crois qu'il y a une mouche qui veut sortir. Le carnet de tricot, il est comme ça, devant, derrière. C'est mignon. Et dedans, c'est en noir et blanc, évidemment. Vous avez les pages, le sommaire. Et ce que j'aime bien, vous voyez, j'ai commencé à noter, mais j'ai pas fait. J'ai fait au crayon papier, vite fait. Le pulsichel. Dessin de croquis, je sais pas d'où en dessin moi. Échantillon, patron, c'est ça, hein. Technique. Mais j'y vais commencer à le faire, mais j'ai pas fini, j'ai pas eu le temps. Et puis les notes avec un glossaire. Ouais, c'est glossaire. Un croquis, oh putain. Pour faire le croquis. Et l'évaluation. Et ben ouais, ça me plaît bien. Il y a 103 pages. Je trouve que c'est pas mal. Au moins, je vais retrouver pour cette année tous les tricots. Mais j'ai commencé par le pussichem. Si je l'ai commencé en octobre, c'est pas grave. En janvier, j'avais fini des trucs, mais je les ai pas notés dedans. Donc, il faut que j'y retrouve tout ce que j'ai fait depuis janvier. Si j'y retrouve. Donc voilà, j'ai commencé à le remplir. Et voilà. Donc, c'est fini. Non, il faut que je me dépêche parce que là, il faut que je fasse le montage. Puis là, il y a 53 minutes. Il y a du blablatage, c'est un peu bordélique, comme d'habitude. Je pars dans tous les sens. Donc voilà. Oh, il y a une petite bébête là. Qu'est-ce que tu fais là, ma petite punaise? Il fait beau, il faut aller dehors. Osiris va t'embêter après. Il est couché sur mon ordinateur, mais... il est couché sur mon ordinateur. Attendez, hop. Il est couché devant mon ordinateur. Ça va? La vie est belle? Tu fais bisous à Sophie? Tu fais bisous à Sophie? Oh, mon petit chat. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Si je peux, je filmerai demain les 40 ans de mon beau-frère. On a fêté ça le 31 déjà à Pâques. On a marqué un peu le coup quand même. Et puis demain, bah, c'est... longue journée qui nous attend avec la soirée. Je vais vraiment fracasser, fatiguée. J'espère que je vais tenir le coup. Je n'aurai pas trop de douleur. On croise les doigts. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie à tous infiniment pour les messages, que de près ou de loin, pour les visionnages vidéo, pour tout. Merci. Merci, merci, merci. Je vous fais plein de bisous. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est normal de pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous, bisous à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Et ne partez pas fâchés.